Bonjour, on se retrouve pour le, le site de Street Photographie France avec un photographe local, un strasbourgeois. Sébastien Pelletier, Pacholski, bonjour. Bonjour. Photographe de rue. Photographe de rue. C'est ce que tu... Te tu te définis photographe de rue. C'est comme ça que je me définis. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors avant de savoir ce que c'est que le, la photographie de rue, pour toi en tout cas, euh, je voudrais qu'on remonte à quelques origines. Ce sont des origines... Rignone et, et Saint-Hazard, je ne sais pas, chalonnaise, Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, tout près, attenant à, à la commune où Niepce a, a travaillé et a on dit a inventé la photographie. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le, le définir. En tout cas, cette région est baignée par la, la personnalité de Nicéphore Niepce. Donc et un hasard si un photographe de rue aujourd'hui naît à Chalon-sur-Saône, je suis né en face le lycée Nicéphore Niepce. <laughs> Donc, je ne pense pas qu'il y ait de hasard. Ouais. Euh, non, bien évidemment, euh, la photographie, j'ai baigné dedans depuis tout petit. Euh, mon grand-père travaillait à Kodak. Euh, Célèbre euh, industrie qui a périclité, voilà, qui a périclité et... euh, dans les années 1995. Euh, ma mère était, avait fait les beaux-arts et était photographe elle-même. Donc, elle m'a initié à la chambre noire elle m'a initié à la photographie. Donc, euh, depuis tout petit, j'ai toujours baigné dans la photographie. Donc j'ignorais tous les détails, mais il n'y a pas de hasard, manifestement. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas, il y a pas de hasard. Mmh. Et puis Sébastien, tu exerces aujourd'hui une profession qui est assez loin de la photo. Tout à fait. Mmh. On, peut, on peut en parler. Alors pas si loin que ça de la photo, puisque effectivement je suis officier de CRS euh, et j'ai commandé la CRS de Chalon-sur-Saône. Ah bon. Voilà. donc euh, pendant 8 ans, donc il n'y a pas vraiment de hasard, j'étais d'un côté de la Saône, le musée Nicephore de l'autre côté de la Saône, je le voyais tous les matins, <laughs> voilà. Ah, donc, alors, euh... la, comment un CRS qui, qui par définition est dans la rue, dont le travail est souvent souvent dans la rue, évidemment par définition, par statut, euh, quand tu es en train de travailler, sous le casque, avec la visière, enfin tout, tout ce qu'on peut imaginer, est-ce que ton œil quand même à l'œil du photographe de rue Est-ce que tu photographies un peu comme ça je fais des photos, mentalement, ouais. des dizaines de milliers de photos qui sont faites depuis 30 ans dans mon cerveau, <laughs> en regardant les gens, en observant, en cherchant des cadrages, en regardant la lumière. Même pendant les moments chauds. Même pendant les moments chauds. Effectivement, le, le cerveau travaille toujours euh, et c'est toujours euh, mis en rapport avec, euh, avec l'image. Alors, on revient à ton à ta passion qui est la photographie de rue et qui est aussi le, au centre des activités de, de Street Photography France. Euh, dans ton livre et dans l'avant-propos du livre, évidemment, tu cites, alors là, j'ai quand même les citer parce que juste les noms, quand même, c'est juste pour ceux qui aiment cet univers de la photographie de rue, juste le nom, c'est incroyable. Tu cites évidemment Robert Doisneau, André Cartès, Henri Cartier-Bresson, Bouilly Ronis, Sabine Weiss, Marc, Rigou, Marc Ribou, Viviane Maillère, Brassailles, ou Brassailles, oui, c'est comme ça qu'on dit, Raymond Depardon, Jacques-Henri Lartigue et consorts. Là, c'est la, la, la ribambelle des photographes de rue mythiques. Tout ça, ça nous permet quand même de revenir sur un point particulier. Euh, C'est la France qui a quand même été quelque part le berceau de la photographie de rue. Tout à fait. Euh, et je pense que ce n'est pas un hasard. Euh, je pense que l'organisation des villes en France, les rues parisiennes, lyonnaises, marseillaises, incitent à la prise de vue photographique. Euh, il y a une forme d'architecture, il y a une manière d'évoluer des gens dans ces espaces qui incite à faire des photographies, on va dire, artistiques de la rue. Mmh. Alors, la, la, la couverture du livre, elle est, elle est, elle est incroyable. Le livre s'appelle Catharsis, on reviendra plus tard sur, sur le choix de ce titre. La, la, la photo choisie, euh, qu'on qu peut voir à l'image, euh, que tu as choisie pour la couverture du livre, est incroyable. Moi, personnellement, c'est le premier contact, parce que Nijad, qui, qui est à l'origine de Street Photographie France, m'a parlé de toi. Nous, on se connaissait par Internet, par les mmh, réseaux sociaux, les réseaux. sans avoir eu l'occasion de, de se croiser. Et quand il m'a envo... montré sur son smartphone, puisque le livre n'était pas édité encore, la, la photo de couverture, immédiatement on s'est dit, mais ce n'est pas possible, c'est une photo d'Henri Cartier-Bresson, <laughs> parce qu'il y a tout là-dedans. Mmh. La géométrie de l'image, euh, qui, qui est essentielle chez Cartier-Bresson, il en a longuement parlé, on a... L'éclairage, bien, bien entendu, qui a à lui seul, cet éclairage raconte quelque chose. Et puis surtout, on a l'instant décisif du, du, du passant qui, qui traverse le trottoir en dessous. C'est une photo incroyable. Elle est de toi. C'est une photo de moi. En fait, euh, cette photo euh, est faite comme toutes les photos que, que je prends dans la rue. Euh, c'est des, des intuitions c'est instinctif. Euh, on est dans le 20e arrondissement de Paris, mmh. euh, un endroit euh, au-dessus de, du boulevard Davout. Euh, il y a tout un tas de petites maisons individuelles et des petites rues un peu. On a l'impression d'être dans un village. Et là, il y a cet escalier qui descendait. Donc je me suis mis à l'affût avec cette rampe là, qui, qui menait jusqu'en bas de l'escalier. Et j'ai attendu tout simplement que passe quelque chose. J'aurais pu avoir un vélo, mais j'ai eu un piéton. C'est une, voilà. une photo faite à l'argentique ou au numérique C'est une photo faite au numérique. D'accord, parce que ça, c'est important, parce que le, le bon vieux Henri Cartier-Bresson ra raconte dans nombre de, des livres qui lui ont été consacrés que pour lui, prendre une telle photo, ce n'est pas du tout la même, la même chose que, que pour toi, bien entendu, avec le numérique. Pour lui, il venait souvent la veille, il repérait la, la position du soleil, il repérait la géométrie de l'image, et il installait tout ça en priant qu'il n'y ait pas un, un mauvais nuage ou une mauvaise averse ou quoi que ce soit. Et puis il attendait l'instant décisif, effectivement. Mmh. Euh, donc, mais mais c'est une, une belle référence, quand même, à tous ceux dont on a parlé, qui sont les, les, les pionniers de la, de la photographie de rue. Euh, Comment tu en es arrivé exactement à, à cette démarche euh, de, 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 de te spécialiser de oui. Alors, ce qui m'a amené à la photographie de rue, euh, c'est le, le passage de témoin. Euh, on traverse la vie on a les possibilités de laisser quelque chose pour les générations qui suivent. Et je trouve que la démarche des photographes humanistes des années, des années 20 aux années 70 était un peu cette démarche-là, de, de, de laisser une trace. Mmh. Et je me suis dit, moi, à la limite, je pourrais aussi laisser ma trace pour les générations qui suivent. Donc, euh, quoi de mieux que la photographie de rue pour euh, ça, puisqu'on imprime euh, notre époque dans le temps Alors, on, avant de, de commencer cette interview, on se disait que... De nos jours, aujourd'hui, avec la technique du, nu du numérique qui est euh, incontestablement facilitatrice pour, pour démarrer dans la photo. Euh, les jeunes d'aujourd'hui euh, redémarrent dans la photo. La photo a retrouvé un nouvel élan avec le numérique, évidemment, depuis, depuis 20 ans, euh, ou peut-être même un peu plus. Euh, le, les, les, le numérique a donc redonné de, de l'élan. Mais en même temps, euh, avec le numérique, on mitraille, on, on fait appel à des logiciels très particuliers pour redresser les images, redresser les éclairages, l'exposition, etc. Est-ce qu'il n'y a, a pas là, quelque part... Euh, un oubli des fondamentaux de la photo. Quand on était avec les bonnes vieilles péloches, ce n'était pas du tout la même histoire. Alors, je ne vais pas parler de la pratique des autres. Pour ce qui non. concerne la pratique, euh, le fait d'avoir commencé ouais. à l'Argentique et d'avoir été en Chambre Noire, euh, j'essaye de fonctionner de la même manière. C'est-à-dire qu'en gros, quand je rentre avec ma carte mémoire pleine de, de photographie, une fois que mon editing est fait, euh, mon travail sur les logiciels euh, ne dure que 4 à 5 minutes et en fait s'apparente à ce qu'on faisait sur la chambre noire. Je vais redresser, je vais travailler un peu sur les contrastes, sur la clarté, euh, oui, la base, quoi. basculer en noir et blanc puisque la photo est faite en couleur hein, naturellement. Contrairement avant où les pellicules noir et blanc étaient importantes, le, la le choix de la pellicule était important. Et en général avec un logiciel, je vais chercher un style. D'ailleurs, j'utilise à peu près toujours le même pour garder une certaine cohérence dans mon, dans mon travail. Et la, la prise de vue euh, de la prise de vue au, au tirage papier, on va dire, euh, il y a 10 minutes de travail. Voilà. 125e de seconde pour la prise de vue et 10 minutes, 9 minutes euh, et des poussières pour, euh, pour le développement. Et après, la photo est exploitable La photo est exploitable. Hein, quand, voilà. voilà. Je ne vais pas chercher plus loin. Pour qu'on soit, qu soit en accord peut-être avec ceux qui nous regardent et qui sont, sont des maniaques de la, de la, de la technique, tu utilises quoi comme euh, ressource, comme logiciel Alors, logiciel, en général, j'utilise XO. Mmh. Et pour le développement noir et blanc, j'aime bien utiliser la suite Nick Collection, oui. notamment SilverFX, oui. qui permet justement de restituer mmh. euh, le grain des pellicules argentiques. Oui, parce qu'il est évident qu'on ne se contente pas d'une simple mise au niveau de gris euh, reposée par Photoshop. Non. Ça ne marche pas. Ça marche, ça. pas. Non, mais bon, le, ça marche pas. Il faut, il faut le préciser ouais. parce qu'il y a des... Oui, et il y a une précision aussi à apporter, parce que euh, déjà la prise de vue, j'utilise la plupart du temps, euh, d'ailleurs je l'ai dans la main, euh, des vieux objectifs argentiques. Là j'ai un Helios 44.2. En général j'utilise celui-là ou un vieil Orestone, euh, un 50 mm Oreston, euh, qui donc donne déjà un grain. C'est ça, l'image, ouais. avant même déjà le développement. Oui, c'est ça. Donc, on, on est là quand même dans une espèce de mariage de, de l'ancien, euh, de, des origines carrément, et du moderne avec le numérique. Voilà. Et c'est peut-être ça les vertus d'avoir un certain âge et, et, et d'avoir été initié d'abord avec mmh. les, les pellicules et l'argentique. Et bien ensuite bien de verser dans le numérique avec audace et avec talent, mmh. puisque comme le prouve d'ailleurs... Je suis passé très très tard au numérique. Ouais. Je suis passé au numérique euh, dans les années 2000. Euh, j'ai toujours travaillé en argentique auparavant. Et alors aujourd'hui même avec les ressources du numérique, la rapidité, le droit à l'erreur puisque mmh. quand on est euh, on a une disposition immense de photos à prendre dans le temps quand on avait deux péloches sur soi ben on était limité à 72 photos hein, au mieux. Mmh. Euh, là aujourd'hui avec le numérique on peut en shooter 2000 dans le même après-midi sans que ça pose aucun problème sur le coup parce qu'après il mmh. faut quand même les exploiter oui, et les regarder c'est une, euh, une autre chanson euh, quand, quand on en est à, à, à ça est-ce que ma curiosité est, est peut-être celle de ceux qui nous écoutent euh, et nous regardent euh, est-ce qu'on a quand même est-ce que tu gardes quand même les, les, les techniques d'antan, c'est-à-dire le cadrage bien déterminé avant, euh, l'attente de l'éclairage optimum, la longue patience, quelquefois, d'attente de l'éclairage, et je ne parle même pas de l'instant décisif quand il s'agit d'avoir un personnage comme dans la photo de une pile dans l'axe la, de l'escalier qui, qui dégringole. Euh, Est-ce que tu continues à, à travailler comme ça euh, ou alors est-ce que tu, de temps en temps, tu, tu prends les travers, ce que j'appelle, pardon, les travers du Dumex qui consiste à shooter, à shooter, à shooter en disant bon Photoshop ou autre rattrapera le coup Non, en général, je alors on a l'habitude de dire il euh, y a les chasseurs, il y a les pêcheurs. Euh, <laughs> les chasseurs qui vont déambuler chercher l'image et les pêcheurs qui se postent et qui attendent. Euh, je fais un mix des deux, je fais les deux. Par contre, je m'interdis la rafale. Et je veux travailler toujours, alors pour parler un anglicisme, one shot. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je préfère rater une image plutôt que de travailler, euh, je dirais, de manière qui pour moi n'est pas déontologique dans la photographie de rue. Mmh. Euh, J'essaye de garder cette pratique argentique. Le numérique pour moi n'est qu'un moyen. Mais par contre, dans le mode de travail, je reste quand même un photographe argentique, même si je travaille en numérique. Mmh. J'oserais dire d'ailleurs que ça se voit dans le livre ça se voit. en tout cas moi, je, je, je pense avoir vu dans le, dans le livre cette, cette façon de faire, cette technique personnelle que tu, que tu nous expliques. La photo de rue, c'est souvent une rencontre aussi avec des êtres humains, euh, des êtres humains euh, qu'on a repérés, euh, quelquefois, souvent même dans l'instant, et on sent qu'il va se passer quelque chose. Il faut développer alors un, un sens aigu de la psychologie, il faut avoir un peu de vécu. Pour pouvoir se dire, tiens, voilà, voilà un sujet. Je voudrais que tu nous parles longuement, ça figure dans le livre, de ta rencontre avec Johanna. Qui est Johanna Comment ça s'est passé Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite Alors, Johanna, on va dire, il y a un avant et un après, oui. pour, pour ce qui me concerne. Euh, ça se passe en 2014, 2015, 2015 je crois, en, en, en septembre 2015. Euh, je faisais de la photo dans les rues de Paris sur un jour de repos. Et j'étais donc un passe de la bonne graine euh, dans le 12e arrondissement, qui est un lieu euh, que je connais bien parce que euh, une, des membres de ma famille habitaient là-bas. J'y vais souvent, j'ai travaillé à côté. Le quartier d'Aligre, là, qui est un quartier très intéressant dans le 12e arrondissement. Et euh, déambulant dans cette, euh, dans cette rue, à un moment, une, euh, une, jeune, une femme m'interpelle en me demandant si je suis touriste. Donc je lui dis non, je suis photographe de rue. Et à ce moment-là, elle euh, m'invite à boire un café. Donc on part boire un café. On va au Pauce Café, un café qui est rue de Charonne, pas à proximité. Et euh, dans ce café, j'étais assis face au bar. On était en terrasse, j'étais assis face au bar. Et au bar, je vois un couple, une femme un peu dénudée. Il était 9 h du matin, euh, avec une robe, mais sans soutien-gorge, un peu dénudée, qui buvait une bière. Et un homme en face, avec un chapeau, la tête un peu patibulaire. Et donc ce couple interpellait. Donc euh, j'avais un compact expert dans la, dans la poche, donc je sors mon compact expert et je fais discrètement quelques, quelques prises de vue. Et donc je continue à discuter avec la personne qui m'avait interpellé dans la rue. Et à un moment, euh, la personne avec qui j'étais descend aux toilettes et la femme qui était au bar descend également. Et le long de, du siège où on était assis, il y avait la vitre du café et l'escalier qui descendait aux toilettes était le long de cette vitre. Donc euh, en remontant, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Je le sentais. Donc, j'ai pris mon appareil et j'ai attendu que ces deux femmes remontent. Et la jeune femme en question, elle a vu que je la prenais en photo, elle a joué avec mon appareil. Elle m'a laissé euh, une série d'images qui sont extraordinaires. Qui figurent dans le livre Qui en fait. figurent dans le Sous livre. Sous forme de strip, euh, comme vous Voilà, quelques-unes ou... quelques figures. J'en avais beaucoup plus, mais. Oui, euh, bien sûr. Voilà. Et donc, euh, à un moment, elle m'a donné une image qui est extraordinaire où on la voit me regarder. Elle a la bouche contre la vitre et la mise au point de l'appareil photo s'est faite sur la vitre. Et là, je me vois dans son regard. Euh, elle a une mine euh, vraiment euh, triste, euh, triste, mélancolique. Et cette photo, donc, euh, j'en ai fait un peu mon mantra Je l'ai imprimé en très grand format et je l'ai exposé assez régulièrement, avec les petites vignettes autour et l'histoire racontée. Et il y a vraiment pour moi un avant et un après cette image. Et oui, parce que quand on regarde cette image sur la double page euh, proposée dans, dans l'édition de Street Photography France de ton livre, et quand on est attentif, on regarde dans l'œil de Johanna mmh. et on te voit. On me voit. Mmh. Et, et je comprends que cette photo soit pour toi un mantra, parce que dans cette photo, il y a tout. Exactement. Il y a tout, tout l'univers de la photo de rue. Mmh. Parce que dans l'univers de la photo de rue, il y a quand même le photographe, mmh. qu'on ne voit pas parfois, souvent, enfin qu'on ne voit jamais, mmh, mmh. sauf là, dans mmh. ces merveilleux yeux. Viviane Meyer, qu'on voit souvent sur ses photos. De, oui, c'est vrai. <laughs> Viviane Meyer, on la voit, mais on en parlera tout <laughs> à l'heure. Mais, mais euh, bien souvent. Euh, et voilà, il faut un photographe pour avoir cette sensibilité-là, cette jeune femme un peu paumée. Euh, manifestement, hein, manifestement. Euh, elle est pas, elle est pas, euh, elle a peut-être même un peu bu, un peu. Euh, je connais pas euh, son histoire. J'ai réussi à contacter le, le gars qui est avec elle. Oui. Je lui avais demandé, c'est les coordonnées de Joanna pour pouvoir leur envoyer les photos. Je l'ai envoyé au gars, mais je n'ai pas eu de retour euh, de oui. sa part. Donc, euh... manifestement, un, un moment de vie saisi avec maestria, parce que dans cette double page et même dans le strip des, de, de l'action euh, de la séquence. Euh, c'est vraiment toute la photographie de rue qui, qui s'exprime euh, comme ça. Bravo, c'est un, un, un très très beau travail euh, qui, que tu as d'ailleurs exposé. Mmh, que j'ai exposé à plusieurs reprises, euh, que on... j'ai exposé déjà en Saône-et-Loire d'abord, et puis ensuite euh, voilà. donc, que j'ai exposé ici euh, à la librairie d'Inalis a été exposé au mois de décembre 2022 que les Strasbourgeois ont donc pu entrevoir, ce, du moins ceux qui sont venus à cette exposition. On, on parle de ces grands maîtres dont, dont, on, dont on parlait tout à l'heure. Quel est celui ou, ou celle qui, qui t'a le plus euh, impressionné ou, duquel tu, ou de, de laquelle tu as le plus appris ou... Alors, je vais dire, mais c'est un, un lieu commun de dire quartier Bresson. Mais bon, ben Non, c'est pas un lieu voilà, commun. Voilà, quartier Bresson, parce que pour, le, pour sa manière de cadrer, pour... Euh, pour son, son utilisation du 50 mm. Oui. Moi, je sais que, alors, j'utilise, euh, comme je travaille avec des micro 4 tiers, forcément, quand j'utilise un 50, c'est un 100, puisqu'on multiplie par deux. Oui. Mais je le travaille comme si c'était un 50 mm. Et effectivement, il y a une manière de cadrer, une manière d'équilibrer l'image. Euh, L'œil géométrique, voilà. Euh, Cartier-Bresson, c'était un géomètre. Euh, ouais, c'est bah, géométri la géométrie de l'image de voilà. Cartier-Bresson. Voilà, et moi je sais que j'ai ce regard géométrique également, euh, où je cherche les verticales, où je cherche les horizontales. Ça se retrouve dans, dans mes images, et c'est vrai que voilà je, là je suis très inspiré par Cartier-Bresson. D'ailleurs, la photo de couverture, c'est pas un hasard, hein, c'est un hommage que je lui rends. Ouais, euh, bien sûr. Même si cette photo n'a pas été faite en pensant à la sienne, euh, c'est une photo qui est instinctive, mais qu'ensuite j'ai rapprochée. Ouais. Comme beaucoup d'images du livre d'ailleurs. J'ai beaucoup travaillé en diptyque. J'arrive à rapprocher des images qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas vocation forcément à être ensemble. Est-ce que tu as ressenti à un certain moment ce que, alors là, on est sur euh, euh, Henri Cartier-Bresson aurait dit, j'emploie le conditionnel euh, volontiers puisque quand on s'intéresse et qu'on se passionne pour. Euh, pour le vieux quartier Bresson, c'est amical et fraternel, le vieux. Mmh. Euh, est, on n'est pas sûr qu'il l'ait vraiment dit comme ça, parce qu'il n'y a aucun enregistrement, aucune télé ou quoi que ce soit. Mais on l'a de toute façon, c'est admis aujourd'hui, il aurait dit, euh, quand on lui a souvent posé la question qu'est-ce que c'est qu'une bonne photographie Une bonne photo Évidemment, euh, aucun photographe est, est, est prédestiné à répondre à ça parce qu'une bonne photo, elle sera bonne pour toi, elle ne sera pas forcément excellente pour moi. Et, et bon voilà. Il avait dit finalement, à force de, de temps, parce qu'il en avait marre de donner des approximations, il avait trouvé un truc. Il avait dit une bonne photo, c'est quand l'objectif, l'œil, le cerveau et le cœur sont alignés et on appuie à cet instant, l'instant C'est Exactement ça. Mais il ne l'a peut-être pas dit comme ça. Les, les, mmh. les, re, les sources euh, divergent. En tout cas, ça lui est attribué. Est-ce que tu as, dans ta pratique photographique, à un moment donné, à un instant précis, fugace peut-être, ressenti que c'était ça Tout était aligné. Oui, bien sûr. Euh, régulièrement. Euh, quand on tient une bonne photo, une photo qu'on pense être bonne, en général, on le sait. On le ressent. On, je le ressens tout de suite. Je le sais. Je... Bah, on, a pris, on en a parlé tout à l'heure avant l'interview. Euh, cette photo, le duel euh, que j'ai photographié à donc, Place Saint Thomas, à Strasbourg, en, en 2014. Un dimanche matin à 9 h je vois un gars, euh, chapeau haute de forme, canne, grand manteau. Je me, je me, je, comme un chien d'arrêt, je me fixe et j'attends qu'il se passe quelque chose. Et là, je. Donc sens ça un... veut dire, pour être concret, tu fais ta ta lumière, tout, Je fais tout, ma mise au point, je cadre. Alors j'ai l'appareil en général au niveau du ventre avec l'écran ouvert comme ça et j'attends. J'attends qu'il se passe quelque chose. Et donc le gars tourne vers moi, il commence à venir vers moi, et au moment où il tourne vers moi, je sens une présence derrière moi qui passe. La présence s'avance dans le champ, je déclenche, je n'ai pas vu ce que je déclenchais, mais je savais que j'avais une bonne photo. Et effectivement, c'était une femme âgée qui passait derrière moi, avec un chapeau, avec une cape. Et là, j'avais un duel de western, euh, Place Saint-Thomas, un dimanche matin, à 9h, à Strasbourg. C'est extraordinaire de, de ressentir ça, parce que là, on a vraiment euh, la quintessence de ce qu'est la photographie de rue. C'est évidemment une photo qu'on ne peut que, que remarquer dans ton livre. Euh, on ne va pas tous les passer un par un, mais les, les grands maîtres euh, qui sont évoqués dans, dans ton avant-propos, sous ta propre plume, tu me disais que tu avais une admiration particulière pour Willy Ronis. Willy Ronis, oui. J'adore sa manière de, de photographier les gens. Mmh. Il, a, il, a, il aime les gens qui photographient. Et ça Clairement. se transparaît, ça transparaît dans sa photographie. Mmh. Il aime les gens. Et moi, je sais que l'ironie, pour moi, c'est aussi une inspiration. Et moi, ce que je trouve le plus formidable chez lui, c'est qu'il a travaillé à, à, à l'excès, euh, Ménilmuche, tout son, tout son, ouais. tout son oui. quartier d'origine. Oui. Quoi Il y a, on, on imagine très bien qu'il n'y a pas un escalier qu'il n'est qu pas allé voir. Quoi Exactement. Hein, il a il travaillé. A, il travaillé. a complètement expurgé euh, totalement <laughs> tout son ce environnement, qui pouvait, tout ce qu'il pouvait. Et, faire ouais, ouais. Et il a des, des personnages qui sont extraordinaires. Ouais, il bon. a des photos qui sont vraiment très très belles. Et puis on n'oubliera pas Viviane qui qu'elle a. C'est la grande découverte de ces dernières années, mmh. et dont on connaît l'histoire, on l'a raconté dans le magazine euh, dont je dirige la rédaction, qui est hors norme. Euh, ce, cette découverte incroyable de, des, des photos de Viviane Maier euh, en, dans une valise qui est achetée par un type à bas prix à San Francisco, etc. Mmh. Euh, et, et ces photos euh, inondent le monde. C'est incroyable ce qui s'est passé pour elle. C'est magique. Pour, elle, pour elle, elle, non, parce qu'elle qu est décédée. En fait, elle mais a oui. pas vécu ça. Bien sûr, mais. C'est ce qui m'impressionne le plus chez Viviane Mayer c'est que son travail, elle l'a fait de manière complètement désintéressée. Elle a gardé ça pour elle. Les photos étaient même pas développées. Euh, machinalement, elle prenait des photos. Quand elle promenait les enfants, c'était nounou. Donc, elle promenait les enfants. Et pendant qu'elle promenait les enfants. D'ailleurs, on voit les enfants sur pas mal de photos. Elle, elle prend des photos, elle voit des gens, elle photographie avec un, un appareil en plus qui n'est pas pratique euh, à utiliser. On, on connaît tous euh, ce type d'appareils qui sont vraiment très compliqués. Euh, et elle arrive à des choses extraordinaires, à, des, à capter des regards. Des, des, enfin, elle avait un œil photographique euh, qui était hyper développé, sans formation, complètement autodidacte. Et, et elle a laissé un, un patrimoine au monde qui est extraordinaire. Et tout ça sans le vouloir Et sans le vouloir. C'est ça qui est assez extraordinaire. Ouais. Mais c'est toute la magie de la photo de rue. Mmh. Parce que finalement, euh, quand quelqu'un comme toi ou les photographes de rue actuels sont dans une rue de Strasbourg ou d'ailleurs, ils sont là parce qu'ils, d'abord, à mon avis, ils aiment ça. Ils aiment cette posture, mmh. ce, ce travail, cette activité, ça leur fait mmh. du bien. Et ça c'est important parce que quelquefois la photo de rue c'est pas évident quoi. C'est une catharsis <laughs> hein, voilà. Souvent. Et, et, et quand on est dans, dans cette posture de, de, de faire des, des, des photos de rue, il y a un ingrédient majeur, c'est qu'il faut quand même, je pense, quelque part aimer profondément l'humanité. Il ah, faut aimer les gens, faut aimer et les gens, bien sûr. Ouais, ouais. Bien sûr. On va chercher. Alors souvent les photographes de rue, on, on va chercher des gueules, on va chercher des gens qui sortent de l'ordinaire, des ouais. gens qui, qui sont intéressants. Euh, J'ai la rue derrière, je vois des photos sans arrêt. <laughs> on, on va chercher des gens euh, avec euh, un signe particulier, etc. Euh, mais il faut aimer les gens pour ça, il faut, faut les regarder, euh, il voilà, faut, faut être euh, en permanence attentif. Et c'est essentiel d'avoir ce, ce regard, euh, effectivement. Après, il y a des photographes qui font aussi de, de l'architecture, qui font aussi de la photographie, euh, je dirais, esthétique. Oui, là on est dans un... Mais on autre est dans point. autre chose. La photographie de rue, c'est vraiment la recherche de l'humain. Ouais, il, y a, il y a vraiment l'humain dans la photographie. L'humain dans ce qu'il a finalement de plus intime, Exactement. alors qu'on est dans, par définition en public. Mmh. Oui, tout à fait. C'est ça qui est incroyable. Ouais, c'est ça qui est bien. Alors, moi, maintenant, c'est vrai aussi que dans ma pratique, de plus en plus, je vais interagir. Parce que cette recherche. Ce, il y a plusieurs postures à avoir. On a plusieurs manières de se, de se poser dans la rue. On peut rester en témoin. Et donc euh, chercher l'image, mais on peut aussi interagir avec les gens. Et je trouve ça intéressant. Ouais. Ouais. Et de plus en plus maintenant, alors ça ne transparaît pas dans le livre, puisque c'est une pratique que j'ai plus maintenant, mais c'est vrai que j'interagis de plus en plus avec les gens. Mmh. Pour terminer, on, on va parler de, de l'édition de ce livre. Mmh. Hein, ce n'est pas la première édition d un, d un de tes livres. Non. Mais celle-ci, tu l'as réalisée en complicité active avec Street Photographie France, mmh. Euh, mmh. la mini-Jatte. Mmh. Euh, Qu'est-ce que... Et tu es adhérent toi-même de Strasbourg. Alors justement, je voudrais qu'on qu ait un mot sur cette initiative. C'est une initiative typiquement strasbourgeoise, mmh. euh, puisque Nidjat euh, vit et travaille à, à Strasbourg. Euh, Lui-même, c'est une passion. Mmh. Et au départ, il a eu cette idée de créer un, un site où les gens peuvent se réunir. Et puis finalement, j'ai quand même l'impression que ça a pris d'une façon exponentielle, et que mmh. c'est assez formidable. Parle-nous un peu de ça. Alors, en fait, c'est l'initiative de Nijat est extraordinaire puisque la, la, les photographes de rue, euh, souvent, sont très isolés. C'est un travail très solitaire. C'est difficile de faire de la photo à plusieurs dans la rue. Donc, c'est un travail assez solitaire. Et Nijat euh, nous a proposé euh, quelque chose qui est extraordinaire c'est de regrouper des photographes de rue de la France entière. De la France entière, hein. pas seulement en France. Voilà, vous. et qui peuvent pratiquer, qui peuvent pratiquer ensemble, qui peuvent parler de leurs pratiques, parler de leurs problèmes, interagir ensemble. Euh, on a donc un site euh, streetphotographiefrance.fr euh, qui regroupe tous les photographes euh, et également qui regroupe des interviews, qui regroupe des, des comment dire des, des vidéos, de, des vidéos qui sont partagées aussi sur YouTube. Euh, mais on a aussi un Discord, un site d'échange sur lequel on parle énormément. Et il y a une chose qui me, qui, qui me vraiment qui m'interpelle sur ce Discord par rapport à ce que j'ai vu dans d'autres sites, c'est que on ne parle quasiment pas de matériel. Et là, on voit qu'on est entre photographes de rue, parce qu'on parle d'images, mais on ne parle pas de matériel. On parle vraiment de, de ce qu'est l'essence de la photographie. Mmh. C'est-à-dire, on, on oublie le matériel et on parle d'art. C'est ça qui est assez génial. Et donc, euh, Nijat a, a pris l'initiative d'éditer un magazine et donc d'éditer de, des livres. Il se trouve que moi, le mien était prêt. Euh, ce livre, c'est dix est ans de prise de vue photographique dans la rue. Et depuis deux ans déjà, il était mûri, il était prêt. On a revu le format, on a revu un peu la, la mise en page, etc. Mais globalement, il était, il était déjà prêt. Donc, euh, ça a été assez facile de, de proposer à Nijat ce, cet ouvrage et donc d'en faire le premier livre édité par Street Photography France. Et, et il est magnifique. Il s'appelle Catharsis. Voilà. Ça veut quand même dire que. Euh, on ne va pas faire de la psycho à deux balles, mais, mais euh, quand on est dans la rue. Avec euh, aimer les gens, le, le, le fond comme ça, on aime les gens profondément, comme tu l'as si bien exprimé, qu'on shoot de la photo de rue, euh, on, on se sent moins mal ou. Ah, c'est thérapeutique, hein. c'est une thérapie. La, la photographie de rue, c'est une bonne thérapie. La photographie en général déjà, mais la photographie de rue particulièrement. Et puis, il euh, y a un intérêt très particulier avec la photographie de rue, c'est qu'on va au-devant des gens. Donc. Euh, il faut vaincre sa timidité, il faut vaincre ses peurs. Il euh, y a tout un process qui se met en place. Et catharsis, pourquoi aussi C'est que moi, c'est quelque chose que j'ai dans l'estomac le, dans depuis très, très longtemps. J'ai eu la, la malchance de perdre ma mère très jeune. Euh, donc, elle m'a laissé un héritage, mais qui n'a pas pu être transmis complètement. Et donc, effectivement, là, c'est aussi là, un passage de témoin. Je lui rends un peu ce qu'elle m'a apporté. Donc, euh, d'où la catharsis aussi. Eh bien, merci, Sébastien. Pour cette, coup, pour cette mmh. interview, donc j'encourage tout le monde à, à se procurer catharsis aux, aux éditions de streetphotographiefrance.fr, d'aller jeter un coup d'œil sur ce site, et en même temps de découvrir le magazine, puisque à l'heure où on parle, le numéro 4 est sur le point de sortir, c'est un mensuel, et c'est un exploit, chaque mois, mmh. tout ça s'est fait, s'est élaboré à Strasbourg, donc euh, merci encore une fois pour cette rencontre, Mais je prie. et à bientôt.